Salut tout le monde, c'est JackPayneuf et aujourd'hui on se retrouve sur la map Knockout pour un tout nouveau glitch qui vous permettra d'aller en under the map. Donc pour cela c'est déjà très simple, il faudra vous rendre au même endroit que moi et réaliser le saut en arrière pour wellbrush le mur. Une fois wellbrush le mur, donc je vous rappelle la méthode, on va courir, sauter en arrière et mitrailler croix. Donc voilà, on se coince dans le mur. Une fois coincé dans le mur, il va falloir faire la technique cette fois-ci de croix, start, croix, croix ou A, start, croix, AA, pardon. Tout simplement pour aller d'un côté et de l'autre du mur. Et une fois du côté du mur jaune, on va se reculer au maximum. Et à partir de ce moment là il faudra faire A start croix croix et pour essayer de wellbrush le sol. Donc ma technique c'est vous faites A start croix croix. Si ça marche pas vous avancez un tout petit peu, vous le refaites et normalement au bout d'un moment vous allez pouvoir wellbrush le sol. Une fois wellbrush le sol, là il faudra vite courir contre le mur et essayer d'atteindre ce petit ledge. Donc une fois là cela fait, vous serez déjà en under the map. Donc là vous avez déjà réalisé, on va dire entre guillemets, les premières étapes hein, de ce under the map. Et vous verrez que l'under the map sera encore plus grand, on pourra encore plus se balader. Mais la technique sera bien plus compliquée. Donc vous pouvez longer le mur, donc je vous conseille de vous guider de la mini carte si vous avez du mal à vous repérer, même si c'est assez instinctif. Et normalement arrivé à ce niveau de ce pilier là, vous devrez le longer et aller assez doucement parce qu'il va falloir se mettre dans l'angle. Donc le ledge voilà fait un peu comme ça et là vous aurez la vue déglitchée. Donc là je vais passer sur la vue de mon ami Dodo car moi j'ai un peu de mal à faire le parcours et lui c'est vraiment beaucoup plus significatif. Donc on va voir, donc il vous faudra turbo ou non, c'est pas obligé mais c'est plus facile. Vous allez sauter contre le mur, courir et là il faudra faire les jumps afin d'atterrir dans l'eau. Donc vous essayez de viser l'eau pour tout simplement pouvoir vous réceptionner beaucoup plus facilement. Et donc une fois cela fait, vous n'aurez plus qu'à monter sur le petit muret. Et là vous serez dans une salle on va dire entre guillemets où vous serez en under the map. Donc voilà, donc là en gros vous regardez à peu près sur la carte, on est dans l'un des bâtiments, l'un des pelotons centrales. Donc voilà, donc là déjà vous serez bien évidemment invincible, mais vos balles ne passeront pas. Et de tous les cas regardez, les effets sont assez glitchés. Par la suite vous pouvez continuer donc re-sauter dans l'eau. Et là vous allez devoir maintenir le joystick accroupi ou votre touche pour vous accroupir pour passer en dessous de l'eau. Et là il faudra faire attention car la dead barrière n'est pas loin et il faudra réussir à passer ici. Hop, on va sauter sur l'angle et là il faudra longer le chemin comme il le fait. Et pour arriver tout simplement ici. Une fois ici vous serez totalement encore une fois invincible et en under the cart. Donc vraiment un glitch très sympa, un under the map assez joli car la carte est déjà très lumineuse et a de très très belles couleurs. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je tenais à remercier donc Dodo pour m'avoir aidé à réaliser ce glitch. Et aussi le glitch a été trouvé par TX, donc sa chaîne sera bien évidemment en description. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura fait plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était JackPayneuf. Et sur ce à plus tout le monde.